Il était une fois une jeune elfine qui s'appelait Eden. Elle résidait dans la forêt des Charmes, à Britannia. Eden adorait se rendre sur les bords du lac Dis. La faune comme la flore n'avait aucun secret à ses yeux. Elle se rêvait à devenir la gardienne de cette nature en devenant elfe de l'eau. Mais dans sa famille, tous se dirigeaient à être elfe de la forêt. Un soir, elle fit part de son désir à son père qui joua un rôle important dans la forêt des Charmes. Il était gardien de la paix. C'est lui que l'on appelait immédiatement lorsqu'une altercation prenait place dans ces lieux. « Tu n'as jamais souhaité être autre chose que ce que tu fais actuellement ?» demande Eden à son père. « J'ai toujours rêvé de protéger l'un des souverains dans les contrées de Britannia. Mais avec mes oreilles pointues, on saura tout de suite d'où je viens. On me jugera avant même d'avoir prononcé mon premier mot. » « Mais tu n'as jamais tenté de réellement le devenir ?»« Non. »« Pourquoi portes-tu autant d'importance au regard des autres ?»« Ce n'est nullement ça, ma chérie. Être gardien de la paix dans la forêt des Charmes, c'est déjà à mes yeux un véritable honneur. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions ?»« Ce n'est pas contre toi, papa. Mais j'aimerais devenir elfe de l'eau. » »« Tiens donc, et pourquoi ce désir ? N'aimes-tu pas notre forêt ?» « Si, bien sûr. Mais je veux être présente pour protéger les plantes, les insectes, les poissons ou les cygnes lorsque le dragon du lac Dis se réveillera. »« Tu sais quoi ? Je ne peux que te comprendre. Tu es bien de ma lignée, car dans notre famille, le courage ne se mesure pas. Malheureusement, ton destin se trouve écrit, à moins que tu puisses trouver quelqu'un sur les bords du lac Dis pour t'aider à devenir ce que tu souhaites. » Eden garda espoir. Son père ne reniait pas sa décision. Au contraire, il la trouvait courageuse. Était-elle assez audacieuse pour voir son souhait se réaliser? Le lendemain, elle retourna sur les bords du lac Dis. Eden avait un pouvoir original. Elle pouvait discuter avec les plantes, les animaux. Un ami roseau, curieux, la vit arriver près de lui avec un air soucieux. « Tu m'as l'air bien triste, Eden, ce matin. » « Que se passe-t-il ? J'arrive à un âge où je vais devoir bientôt me séparer de vous tous pour devenir elfe de la forêt. Mais je n'en ai aucune envie de suivre ce destin. Je préférerais être elfe de l'eau. Sais-tu que tu peux demander une audience auprès du Grand Conseil des Trois Sages ? C'est quoi ce conseil ? Ce conseil représente la terre, l'eau et le feu, d'où la représentation du triskel avec ses trois branches. » Il régit sur toutes les vies du lac, des forêts, des rivières, de Britannia. « Comment pourrais-je le contacter ?» lâche Eden en retrouvant espoir. « Je pourrais être ton coursier, » intervint une libellule, « afin de faire part de ta demande. Venant de moi, elle aurait plus de chances d'aboutir. »« Tu pourrais faire ça ?» s'exclama-t-elle. « Bien sûr, nous t'aimons tous ici. Nous serions tristes si tu ne venais plus à notre rencontre. » Deux jours plus tard, Eden obtint un rendez-vous qui se déroulait dans la tour des sorciers près de Vanar. Pour s'y rendre à pied, à son âge, cela lui était impossible. Son père, avec son rôle dans la forêt des Charmes, n'aurait jamais le temps de pouvoir l'y emmener. Se sentant de nouveau abattue, elle comprit qu'elle n'allait pas pouvoir échapper à son destin. Mais le matin du rendez-vous, une bourrasque se fit entendre à l'entrée de sa maison. On cogna à sa porte. Eden ouvrit et aperçut un jeune homme. « Bonjour. »« Bonjour, mademoiselle. Je me présente. Je m'appelle Mistral. Êtes-vous bien Eden ?»« Oui, que me voulez-vous ?»« N'ayez point peur. Je suis chargé de vous conduire à la tour des sorciers, dirigée par le conseil des trois sages. »« Mais vous n'avez point de cheval. »« C'est tout à fait normal. Je suis le vent en personne. Je vais vous offrir un voyage hors du commun. Ne vous inquiétez pas. » Je vous ramènerai ici lorsque votre entrevue sera terminée. » Prise dépourvue, Eden sortit de chez elle. Mistral se métamorphosa en vent et transporta Eden dans le ciel. La jeune elfine vola et découvrit des points de vue panoramiques de Britannia qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quelques heures plus tard, elle fit face au Grand Conseil dans un tribunal. Eden commença à regretter sa demande. Elle se sentit bien petite devant ses représentants. Le feu acclama.
Ton désir est de devenir elfe de l'eau. Qui es-tu pour penser que tu pourrais le devenir? Je m'appelle Eden, monsieur. As-tu conscience des responsabilités à le devenir? Continua la Terre. Tu devras veiller sur la faune, la flore. Tu devras t'assurer à la préserver. Te sens-tu suffisamment puissante pour gérer tout cela? Je travaillerai dur, lance-t-elle. Le dernier représentant, l'eau, posa une ultime question plus douce. Dis-moi, Eden, pourquoi souhaites-tu devenir elfe de l'eau au lac Dis? À mes yeux, c'est le plus bel endroit de Britannia, et je l'aime plus que tout, répondit-elle avec joie. Les trois sages échangèrent à voix basse. Puis, ils sourirent à Eden. L'eau acclama. C'est tout ce que nous voulions entendre de toi, Eden. Après avoir fait preuve de courage et d'audace en nous concertant, nous te nommons Elfe de l'eau du lac Dis. Eden n'en croyait pas ses oreilles. Mistral la ramena chez elle, et le soir, quand son père arriva, elle lui fit part de sa nouvelle. Celui-ci la félicita pour sa ténacité. Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de cette nouvelle histoire. Par celle-ci, vous comprendrez qu'il est essentiel et vital d'aller au bout de ses rêves. La vie ne doit pas se résumer à ce que les autres veulent que vous soyez, mais plutôt à ce que votre cœur vous dicte de réaliser.